is and what grace is not. Ce que la grâce est, ce qu'elle n'est pas. What grace is and what grace is not. Et c'est important que tu comprennes ça. And it is very important for you to understand that. Ce que la grâce est et ce que la grâce n'est pas. What grace is and what grace is not. Je peux placer comme sous-thème. I can put under some topic. La grâce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. Grace is not an excuse to live in sin. La grâce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. Grace is not an excuse to live in sin. J'annonce ce message ce dimanche. I am announcing this message this Sunday. Pourquoi? Why? Parce qu'il y a cette mauvaise compréhension que les gens ont au sujet du message que je prêche. Because there's this ill comprehension according to the message that I'm preaching. Il y a un mélange. There's a mixture. Il y a cette mauvaise compréhension. There is this bad understanding. Non seulement il y a une mauvaise compréhension du message. Not only there's a bad understanding of the message. Nous avons aussi dans ce monde chrétien. But also in the Christian world. Des pasteurs qui prêchent le même message de la grâce. Some pastors that preach the same kind of message of grace. Il y a certains qui prêchent vraiment le message. They really preach the message. Mais d'autres qui la prêchent très mal. But those that do not preach it well. Ils sont nombreux qui ne savent pas comment annoncer ce message. Many of them don't know how to announce this message. Je n'ai jamais encouragé le péché. Mes messages n'ont jamais encouragé quiconque d'aller vivre dans le péché. My message has never encouraged whosoever to go and live in sin. Mes messages mettent l'accent sur la personne de Jésus-Christ et son œuvre accomplie. My message is putting an emphasis on the finished work of Christ. Et l'intention que j'ai en vous présentant le message de Christ. And the intention I have by teaching the message. C'est d'attirer votre attention sur ce que Jésus-Christ a fait et non sur ce qu'on devient faire. Is to capture your attention on what Jesus Christ has done and not what you are supposed to do. Vous amenez à croire et à placer votre confiance dans l'œuvre parfaite de Jésus Christ. To bring you to the belief of the finished work of Jesus Christ. Afin de recevoir un salut gratuit, un pardon gratuit. So that you can receive a free salvation and free forgiveness. Mais je me suis rendu compte. But I saw that. Que beaucoup interprètent très mal mon message. A lot I'm missing. Beaucoup interprètent très mal le message de la grâce. A lot are misinterpreting the message. Et ils pensent que c'est parce que nous sommes définitivement sauvés alors on va vivre dans le péché. And they think that it is because we are definitively saved. Parce that que nous sommes pour toujours sauvés. It's because we are saved forever. Nous sommes pour toujours sauvés en Christ. We are saved forever in Christ. Nous sommes libres de péché. We are free to sin. Non. Tu es libre, tu es pardonné en Christ. Ça c'est vrai. You are free and you are forgiven in Christ. Mais est-ce que Jésus Christ a définitivement pardonné pour que tu restes encore dans le péché? But has Jesus Christ? La grâce a été donnée pour un but bien précis. Grace was given for a precise goal. Pour un objectif bien précis. For a precise goal. Et son but est de sauver l'homme. And his aim is to save man. Son but est de transférer le pouvoir à l'homme pour ne plus vivre dans le péché. His aim is to transfer power to man, not to live in sin. Le pouvoir de la grâce. The power of grace. C'est un délivré du péché. Is to set you free from sin. C'est délivré de l'influence du péché. To set you free from the influence of sin. Mais son but n'est pas de t'introduire dans le péché. But its aim is not to introduce you in sin. Son but n'est pas de t'introduire à vivre dans le péché. Its aim is not to introduce you to live in sin. Mais n'est pas ce que la grâce est venue faire. It is not the aim of grace. Nous sommes libres par la grâce de Dieu. We are free by the grace of God. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui pensent que comme nous sommes libres en Christ. The other things are because you are free in Christ. Et comme nous sommes définitivement pardonnés en Christ. And because you are definitely forgiven in Christ. Alors nous sommes libres de péché. So we are free to sin. Ah, c'est faux. That is wrong. Mais la vérité c'est que la grâce de Dieu n'est pas une licence pour péché. But the truth is that the grace of God is not a license to sin. La grâce de Dieu n'est pas une licence pour péché. The grace of God is not a license. La grâce de Dieu nous donne la permission de vivre dans la vie de Dieu. The grace of God gives us the permission to live in the life of God. Elle nous donne pas la permission de vivre dans le péché. It doesn't give us the permission to live in sin. La grâce nous libère du péché. The grace sets us free from sin. Est-ce que la grâce nous donne la permission d'aller pécher? Does grace give us the permission to go and sin? La raison où je vous demande l'église. It is the question I'm asking you, church. Est-ce que la grâce nous donne la permission d'aller pécher? Does grace give us permission to go and sin? Au contraire. No. Au contraire. Contrary. Elle nous libère du péché. It sets us free from sin. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu en action. Pour nous libérer du péché et de ses conséquences. The grace of God is the power of God in action to set us free from. Nombreux qui pensent
connaissent le message de la grâce. They don't think they know the message of the grace. Mais la grâce ne donne pas la permission de vivre dans le péché. The grace doesn't give us the permission to live. Elle nous libère du péché. In the culture, et la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu en action pour nous libérer. And the grace of God is the power of God in action to set us free. C'est la puissance de Dieu en action. It's the power of God in pour nous libérer du péché et de ses conséquences. To set us free from sin and its consequences. La grâce de Dieu aussi nous communique la justice. The grace of God also communicates to us. Elle nous communique la joie, la paix. It communicates joy. Elle nous communique la vie éternelle qui découle de la vie de Dieu. It communicates eternal life that flows from the life of God. Quelqu'un comprend ce que je dis? Somebody understanding what I'm saying? Non seulement elle vous délivre de la puissance du péché. Not only does it set us free from the power of sin. Non seulement c'est une action qui nous libère du péché et de ses conséquences. Not only is it an action that set us free from the sin and its consequences. La grâce c'est une puissance. The grace is a power. C'est une capacité dynamique de Dieu. It's a dynamic ability of God. Qui a pour objectif de te libérer complètement de l'influence du péché. God has aim to set you completely free from the sin. Et de toutes les conséquences du péché. And all its consequences. Elle te transmet non seulement la joie mais aussi la justice de Dieu. It transmits to you not only joy but the right. La grâce te transmet la paix de Dieu. Grace transmits to you the peace of God. Elle te transmet la vie éternelle. It transmits to you eternal life. Son objectif n'est pas de venir te maintenir dans ta nature pécheresse. It's not to maintain you in your sinful nature. Ce n'est pas le but de la grâce. It is not the aim of the grace of grace. Donc si tu es dans cette église, so if you are in this church, et après avoir reçu mon message, and after you must have received my message, ok, puisque j'étais fornicaire, you say ok, because I was a fornicator, je continue de forniquer parce que tu m'as effectivement pardonné. I don't keep on forniquating. Et peu importe ce que je peux, peu importe ce que je peux faire, and no matter what I will be able to do, peu importe ma manière de vivre, no matter my lifestyle, Dieu m'a déjà pardonné, alors je suis libre de péché. God has already forgiven me, so I am free to sin. Mon frère, tu vis dans une bêtise. My friend, you live in a sin. Et tu n'as jamais été sous la grâce. And you have never been under grace. Tu n'as jamais été sous la grâce. You have never been under grace. Tu as toujours été sous ta petite bêtise. You have always been in your small stupidity. La grâce n'est pas une excuse pour rester dans le péché. Grace is not an excuse to stay in sin. Ils sont nombreux qui se plaisent déjà dans le péché. A lot are already pleased. Ils viennent écouter les messages de la grâce de Dieu. They come to listen to the message of God. Après le message, but after the message, ils partent voir le marabout. They go and see the native doctor. Ils partent voir le marabout. They go and see a wizard. Je suis sous la grâce. I am under grace. Même si je fais comment, no matter what I do, je suis définitivement pardonné en Christ. I am definitely forgiven in Christ. Mon frère, tu n'as jamais été même pardonné. My friend, you have never been et forgiven. Et tu es un hypocrite. I am a hypocrite. Amen. Tu es un bon hypocrite. A good hypocrite. Un chrétien qui utilise la grâce de Dieu. A believer that uses the grace of God comme une excuse. As an excuse. Pour demeurer, pour rester dans son péché. To stay in his sin. Hypocrite. Is a hypocrite. Amen. Parce qu'il connaît la vérité. Because he knows the truth. Il refuse de se soumettre à la vérité même vivre dans l'erreur. He refuses to submit under the truth and wants to live. Non, la grâce de Dieu est là. No, the grace of God is there. Je peux boire autant de bien que je veux, même si je suis un pasteur. I can drink enough of beer that I want even if I'm a pastor. Ils sont plein dans cette salle-ci. A lot of you in this place. C'est quatre cassiers, c'est pas quatre, c'est qu'il n'a rien bu. It is four creators. If it's not four creators, you have not drink. Il faut voir quand vous êtes dans, même en public, quand vous finissez le culte, il faut voir comment vous sortez même les chevaux le matin. Even in public, when you finish, vous marchez en caleçon, en caleçon. You just walk with pants. Vous marchez en caleçon. You walk with pants. C'est quand vous venez de lire, vous appuyez, vous êtes des hypocrites. It is when you come to church that you are dressed. You are hypocrites. Tu t'assois, tu bois, tu bien. You sit down, you drink 10 beers. La tombe, l'argent finit, il faut que tu déranges les gens que tu n'as plus l'argent. When you finish, you want to disturb people that you don't have money. C'est ta vie. It is your life. Mais la seule chose, la grâce n'autorise pas le péché. But I know one thing, grace doesn't authorize you to sin. Mais elle vous libère du péché. But it sets us free from sin. La grâce de Dieu, the grace of God, c'est la capacité divine. Is the divine ability qui opère en nous, that operates in us, pour produire la sainteté, to produce holiness. Yes. C'est la capacité divine en vous. Is the divine ability in you qui produit la sainteté, that produce holiness. Elle te transmet la capacité pour mener une vie juste. It transmits to you the ability to live a righteous life. Pas pour aller devenir un bordel. Not to become a war. Il y a les hommes bordel, les femmes bordel. Ils sont sous la grâce. Ils disent qu'ils sont sous la grâce. That are under the grace. À l'église, tu as au moins 5 soeurs que tu côtoies. Ils sont tous des femmes. In church, you have at least 5 soeurs sous la grâce.
tu es sous le caca. Ne dis pas que tu es sous la grâce, mon frère. Under, tu n'es pas sous la grâce, tu n'as jamais été sous la grâce. And you are never under grace. La grâce, c'est la capacité divine qui opère en nous pour produire la sainteté. Grace is the divine ability that works in us to do so. Quand tu l'as reçu, il y a des fruits de la sainteté qui sont vus. When you have received, there are some fruit of holiness that are seen. Le chrétien qui est sous la grâce, a believer that is under grace. Quand tu regardes sa vie, when you look at his life, c'est une vie sainte. It is a holy life. Quand tu regardes sa vie, when you look at ça reflète le caractère de Jésus Christ. Ça reflète la nature du Père. Tu ne peux pas dire que tu es sous la grâce. Mais tu continues de voler. Tu continues de mentir. Tu continues de vivre dans l'adultère, dans la fornication. Tu sors des femmes déjà. Tu sors des maris déjà. Mais c'est la grâce. Tu es sous les caca. Tu es sous tes bêtises. Under rubbish. Et tu appelles le suis mon père enseigne la grâce de Dieu. And you say my father teaches the grace of God. Donc je suis venu te dire que va pécher. So I said that you should. Je l'ai dit ça dans cette église un jour. Car aller pécher. Moi aussi. Tu mets tous les filles enceintes. You impregnate every woman. Et tu es un bishop de la grâce. And you are a bishop of grace. Voilà la Dieu pour toi faire. Glory to God for you. Ça va arriver. It can come to pass. Quand tu tombes, that you fall. Mais la grâce te relève. Amen. Mais si tu te plais dans ça, but if you are not at ease, au nom de la grâce, in the name of si tu commences à te plaire dans cette erreur, dans cette bêtise, if you are at ease in those, c'est ça l'hypocrite. You are a hypocrite. Il y a un incrédule, and an unbeliever. Il y a des frères dans l'église qui discutent les soeurs. There are some brothers in church that fight for girls. Et les soeurs qui discutent un homme. And daughters that sisters. Jusqu'à ce qu'ils envoient des messages. Je suis un voyant, je vois tout vos conneries là. Until they send messages, I'm a seer and I see all those messages. Vous discutez, vous créez, vous envoyez des messages, vous tiraillez entre vous. You quarrel for a man and you fight among you. Encore une fois, on va vous saluer pour un garçon. To the extent that you can. Vous êtes excessivement bête. You are excessively stupid. Très bête, very stupid. Et il y a beaucoup qui viennent se consoler de mes enseignements. And a lot of people come and ils viennent soulager la conscience de mes messages. They come and ease their consciousness. Quand ils voient qu'ils ont tellement de café, ils viennent s'asseoir pour que Dieu les parle, pour que ça soulage un peu les consciences. When they see that they are ready to sit alone, they come and sit down on a machine. So that at least it can free their conscience. Tu refuses d'aller à Dieu parce que c'est que là-bas on va t'incriminer, on va te crucifier sur la croix et puis on va te jeter dans le feu. Il est aussi. Nous avons tant de venir d'un divin que tu es pardonné. La Dieu t'aime. Il est avec toi. Tu es au paradis. Même si tu es fini. Allez, donc tu n'as jamais compris le sens de mon message. Et comme toi, tu ne connais pas ce que j'enseigne. Le fait que tu répètes mes mots, on va dire que tu vis le même mot. Tu vis le parole. La parole que je prêche. You repeat my word doesn't mean that you live my word. Nous tous ici, on a commis des erreurs. Même moi, je suis à l'intérieur. Mais on ne reste pas là, on sort de là. Jude chapter 1 verse 24 to 25. La grâce de Dieu, c'est la capacité divine qui opère à nous pour produire la sainteté. The grace of God is a divine ability that operates. Il est impossible. Church, it is impossible de recevoir la grâce. To receive grace. De recevoir même de Dieu. To receive even from God. Et de vivre dans le péché en même temps. And to live in sin. Yes. At the same time.
tu reçois the grace of God and you live in sin. Parce que le but de la grâce serait de nous préserver même du péché. Because the aim of grace is even to preserve us from sin. Le but de la grâce serait de nous préserver de la chute. The aim of grace is to preserve us from falling. Et de nous garder irréprochables pour le jour de Christ. And to keep us. Ah, à celui qui peut vous préserver de toutes les chutes. Quoi, la grâce? La grâce te préserve de la chute. Hein? Grace preserves you from falling. Mais ne te maintiens pas dans la chute. But it doesn't keep you in force. Le but de la grâce est de te préserver. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Verset 25. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tout le temps, maintenant et dans tous les siècles. Reviens au verset 24, tu me présentes notre lection. Notre lection. Parole de Dieu. Rendons gloire au Dieu unique qui nous sauve. Qui nous fait quoi? Il nous sauve. Qui nous sauve par Jésus-Christ notre Seigneur. Il peut vous empêcher de tomber dans le mal. Il peut vous faire quoi? Empêcher de tomber dans le mal. Il peut vous empêcher de tomber dans le mal. Il peut vous faire paraître sans défaut et plein de joie devant lui dans sa gloire. À lui soit la gloire, la grandeur, la puissance, l'autorité depuis toujours, maintenant, toujours. Toujours. Amen. Amen. Qu'est-ce que la grâce fait? Elle vous empêche de tomber dans le mal. Amen. Elle ne vous demande pas d'aller tomber dans le mal. Amen. Elle ne vous introduit pas dans le mal. Mais elle vous préserve, ou bien quoi, elle vous empêche. But it preserves you. En d'autres mots, tu ne peux pas être sous la grâce. In other words, you cannot be under grace. Et alors, tu es dans le péché. At the same time, you live in sin. Soit tu es sous la grâce, soit tu es sous ta bêtise, tout court. Either you are in grace or you are in rubbish. Tu ne peux pas vivre les deux simultanément. C'est impossible. Et le but de la grâce, c'est de te préserver de la chute. And the aim of grace is to preserve you from falling. C'est de te préserver de la chute. Is to preserve you from falling. C'est de t'empêcher de chuter. Is to make you not to fall. La grâce t'empêche de pécher. Amen. Grace forbids you from sinning. Amen. La grâce te préserve de l'erreur, du mal. It preserves you from error. Elle ne te demande pas d'aller tomber, d'aller pécher davantage. It doesn't require you to go and fall again. Les gens ont mal compris mon message. People do not understand my message. Pourquoi les gens se posent des questions? Pourquoi nous qui sommes la grâce est comme Adam? Alors comme nous sommes sous la grâce, on doit leur pécher. Because you are under grace, you don't. Je vais répondre à toutes ces questions pendant que vous m'écoutez. Answer to all these questions. Et le message ici doit voyager dans le monde entier. And this message is traveling in the world. Si vous êtes en Christ, if you are in Christ, et que vous luttez avec votre péché chronique, and you are fighting with the chronic sin, alors que vous vivez dans le péché, that means you live in sin. Sous prétexte que vos péchés sont déjà de toute façon pardonnés, on the pretext that your sin are however forgiven, ça veut seulement dire, that means, ça veut tout seulement dire, that means, que vous n'avez pas encore reçu la révélation de la grâce. That means you have not yet received the revelation of the unlimited grace of the Father. Un garçon vient te proposer qu'il va et on va vous serrer ensemble. A man come and propose to you that he wants to save you. Tu acceptes. You accept. Mais de l'autre son dos. Mais back on his back. Tu as quatre autres garçons que tu gères. You have four other men that you manage. Et chaque jour quand tu arrives à l'église. And every day when you come to church. Quand on commence à prier. When we begin to pray. Et de la cruz ça va dire mais tete. On te regarde des barrages. Et non, si tu es de Bayata, tu es profond en l'âme. Il y a deep in God. Des louches, kata. Tu gères quatre gars. Il y a des dossiers que tu gères, des grands dossiers. Four files. Je parle des frères, tu sais que tu es célibataire. En tant que d'abord, brothers, you know that you are single. Tu es célibataire. You are single. Mais tu invites les frères et les sœurs dans ta maison. But you bring sisters in your house. La sœur est célibataire. The daughter is single. Vous êtes tous les deux à la maison. You are both of you are in your house. Vous faites quoi? Vous priez en anglais. Vous faites quoi? Pray in tongues. Voilà. Vous chantez en esprit. Vous sing in esprit. Vous faites quoi? Vous étudiez la Bible. Vous study the Bible. On parle que c'est pas pour étudier la Bible, mon frère. Laisse. Ne montre pas que tu es trop spirituel. Laisse. Don't show that you're more spiritual. Yes. Non, il faut que tu es ma fille spirituelle, il faut que tu enseignes quelques éléments de la parole. Yeah, my spiritual daughter, I need
to teach you some elements of the word. Comme ça, la parole de Dieu va entrer en toi. So that the word of God will enter you. Mais on ne sait pas encore, tu vas comprendre. Something has entered you, you understand? Tu vas comprendre le vote. Le dosé, ma fille. Le dosé, c'est vous-même qui donnez ça. Personne n'est parié, vous tous. Pendant que je paye, moi, tu prêches. Quelqu'un dit que si ma soeur était là pour écouter, c'est à toi que je parle. My brother, this was also supposed to be. This is a message that is being appointed a lot. Mais regarde pas mal, parce que ça ne sert à rien. Do not intimidate me with your eyes. Tu m'as dit, personne ne peut m'intimider ici. Nobody can intimidate me yet. Quand tu regardes mon front là, tu vas comment m'intimider. When you look at my front, you think they can intimidate me. Romans 6 out. Romans chapter 6 verse 11. You know that the message is difficult. The message, la grâce est difficile. The message of grace is difficult. C'est pas tout le monde qui a apte à prêcher ce message. It's not everybody that is able to preach that message. It's not for everybody. C'est pas pour tout le monde. Tu vas pas venir dans l'église ce message. Tu vas raconter les bobards, les balivernes, et encourager les gens à venir dans les bêtises. You meet some people that will encourage some people and lead these stupidities. Je souhaite l'éclaircir vos pensées, je lave vos consciences. I just want to wash your consciousness. Regardez, n'est-ce pas? Look at me, church. En Christ, in Christ, vous êtes pardonné. Ça, c'est clair. You are forgiven. It is clear. Et l'amour de Dieu pour vous est conditionnel. And the love of God for you is unconditional. Donc, même si tu pèches, l'amour de Dieu pour toi ne change pas. The love of God for you. Mais tu vas subir les conséquences de tes péchés. But you live the consequences of your sin. Tu vas subir les conséquences. You live the consequences. Quelqu'un qui laisse sa femme, il laisse son mari, qui va dehors avec d'autres hommes. Somebody that leaves his wife or husband. Les conséquences vont affecter les enfants sur la maison. The consequences will affect you. Division et séparation. Les conséquences. After that, there will be division and separation. Tu couches avec une femme qui est malade, qui porte la maladie. C'est la conséquence. You sleep with a woman that is sick. You. À force de toujours avorter, tu finis par détruire ton utérus. C'est la conséquence. Because you keep aborting, you destroy your uterus. Tu vas détruire ton corps. You destroy your body. Détruis ta pensée. Destroy your Et quand tu vis dans ce genre de choses, tu regardes ta personne en face, comment tu as honte. And when you live in those kind of things and you leave the person in front of you, you are ashamed. Je n'ai jamais dit ici. I've never said yet. Que elle reçoit la grâce. That when somebody is under the grace. C'est la licence, c'est l'autorisation pour vivre dans le monde. It's the license or the authorization to live in sin. Donc si tu es maman. So if you are a mother. Et que comme ton mari est parti, tu vas avec tes fesses grattes encore. And because you see that your husband has gone, you see that your. Et quand tu continues à aller sur Facebook voir les blancs, tu soulèves tes fesses, tu présentes. C'est que c'est pour toi, tu es une bêtise. Amen. Et là, écoutez, vous pas oublier. Vous oubliez, mais si je veux, si je tiens comme notre prophète de la loi, c'est que je porte la personne à la salle. Vous êtes en groupe avec moi. Il y a là, il va dire, il va aussi prophète, avant que le Lord en pointe la personne. Vous pointe. I'll be pointing the person. Je ne suis pas là pour vous juger. I'm not there to judge. Je suis là pour vous révéler la pensée du Père. I'm there to reveal the thought of the Father. Il y a des moments que tu vois qu'elle sera grande là, maintenant là, mais elle gère encore les dossiers derrière. You see a woman that you see that she's already a mother, but she's still managing fights outside. Concentre tes enfants. Concentre-toi que tu veux te marier. Attends. If you want to get married, wait for it. Tes enfants voient ça. To marry you, and your children see that. J'ai dit, I already said it. Il y a certains ici quand vous allez expliquer sur Facebook. There are some people here that they have been looking for a recherche des noms. Because we were looking for a man. J'ai tombé sur un malfrat. You fell on a. Tombé sur un malfrat. You fell on a Yahoo. Et quand tu transmets tes nudes, après il va publier ça sur la toile pour te stocker de l'argent. And when you transmit your nudes, he said that he wants to publish it. Il y a ce cas-là, dans cette église, écoutez. There are these cases in this church. Mon message. My message. Je t'encourage à parler de l'erreur. Does not encourage you to do this.
Si dans cette église, if in this church, tu constates certains enfants sont dans les bêtises, you see that some children are in sin. Sachez que ce n'est pas mon autorisation. Know that it is not my authorization. Amen. Je ne suis pas là. I'm not inside. Alors je vous ai dit que nous tous, on peut commettre des erreurs. Nous tous, on a bien commis des erreurs. I said that every one of us, you have already committed. Même en tant que chrétien, even as il y a aucun pasteur sur cette terre qui peut dire qu'il n'a pas commis des bêtises. There is no pastor here that will say that he has never made a mistake. No. Il n'y a pas. Non. Mais rester dedans, c'est pas bon. But to stay inside is not good. So, come on. Tu as une faiblesse. You have a weakness. Reste pas dans la faiblesse. Do not stay in the weakness. La grâce a la capacité de te sortir, de te préserver de la faiblesse. Grace has the ability to get you out and preserve you from that weakness. Elle te délivre, elle te préserve. It sets you free and elle te fait sortir de la chute. It takes you out from the fall. Elle t'encourage pas à rester là. It doesn't encourage you to stay there. Amen. Quand tu arrives à l'église, tu es un grand bandit. Et tu continues encore de bien voler parce que tu es sur la grâce. You came to church, you are a very great thief, and you keep stealing because you are under the grace. Ça veut dire que Jésus n'a rien fait pour toi. I mean, Jesus has not done anything for you. Et c'est une insulte envers son œuvre accomplie. And it is an insult to his finished work. Amen. Je vous ai dit que beaucoup m'ont dit amen pendant ma prêche. Even do when preaching. Ça c'est très important pour moi. Même quand les gens sont sur la scène. This message is very important for me. I like when people are saying. Et si vous-même regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset qui suit mon fils, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas à ses convoitises. Amen. La somme ça comme c'est là. On peut passer les bras, faire les exigences là-dessus. Let us précise à l'existence. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Pourquoi le péché donc plus règne dans votre corps mortel? Let it not reign in your mortal body. Why does it not? Parce que vous êtes sous la grâce. Because you are under grace. La grâce te donne l'habilité pour ne plus être sous la domination du péché. Grace doesn't give you the ability to be under the domination of sin. Le péché ne peut plus régner sur toi parce que désormais tu es sous un nouveau règne. Sin cannot more dominate you because you are under a new rule. Tu es désormais sous le règne de la grâce. You are now under the rule. Tu es désormais contrôlé par la nature de Dieu. Yeah. Tu es désormais influencé par la vie de Christ. You are influenced by the grâce. La grâce t'a délivré de l'esclavage du péché. Let's set you free from the slavery of sin. Pas pour te maintenir encore sous le joug du péché. Not to maintain you under the yoke of sin. Tu as été libéré de son joug. You were set free from his yoke. Donc retourne sous l'influence et encore sous le règne du péché. So to back under the influence of the reign of sin. Manifester de l'hypocrisie vis-à-vis de l'œuvre de Christ. To manifest hypocrisy towards the finished work of Christ. Et c'est une insulte. And it is an insult. Parce que tu ne peux pas être sous la grâce et en même temps être sous le péché. Because you can't be simultaneously. Tu ne peux pas être sous le règne de la grâce et en même temps être sous le règne du péché. You can't be under the rule of grace and sin. Soit tu es sous le règne du péché. Either you are under the rule. Soit tu es sous le règne de la grâce de Dieu. Or you are under the rule of the grace of God. But the thing doesn't work together. Righteousness, righteousness, et l'injustice, and unrighteousness, ne cheminent pas ensemble. Doesn't work side by side. Le péché, si, et la justice de Dieu, and the righteousness, ne cheminent pas ensemble. Don't work together. La Bible là où le péché a abondé. The Bible says where sin has la grâce a surabondé. Grace has abounded. La grâce n'a pas surabondé pour maintenir le péché. Grace has not overflowed to la grâce a surabondé dans la justice. Amen. La grâce a surabondé dans la miséricorde. He has abounded in mercy. La grâce est plus influente. Grace is more influent. La grâce est plus puissante. It's more powerful que le péché. Now see, elle a la capacité, le pouvoir. It has the ability, the power, de détruire le péché. To destroy sin. De te préserver du péché. To preserve you. De te retirer donc du péché. To set you free from sin. Ça c'est la puissance de la grâce. That is the power of grace. Une capacité. An ability. Puissante de Dieu. Powerful ability. Il y a un jeu dans le chrétien. Pour that acts in the believer. Pour la donner à mener et à manifester les fruits de la sainteté. To bring to live a fruit of holiness. Donc quand tu vois un chrétien qui est sous la grâce. So when you see a believer that is under the grace. Il n'a pas besoin de parler. He doesn't need to speak. Rien qu'à regarder sa vie, tu sais que la grâce est là. Just by looking at his life, you know that grace is there. La grâce est là. Grace is there. Donc je prie vraiment que Dieu vous ouvre les yeux. So I really pray that God may open your heart. Il ouvre les yeux de votre cœur. Open the eyes of your understanding. Pour que vous preniez conscience que vous allez être libéré du péché. So that you can take consciousness that you have been set free. Afin que vous puissiez vivre tous les jours une vie libre et par lui. So that you can live every day a free and a free life with God. Hello. Qui est sous la grâce? Who
l'église. Tu as levé la main très rapidement. Amen. You left, you lifted your hands fast. Pose la question à savoir, est-ce que je suis vraiment sous la grâce? Ask yourself, am I really under this? Parce qu'apparemment tu es sous le péché. Because you are surely under sin. Il y a certains qui sont pas sous la grâce ici. There are some of you that are not under grace. Non, tu parles, je dis la vérité. Even if you don't say amen, I'm telling the truth. La grâce, grace, et le péché, and sin, ne marchent pas ensemble. Doesn't work together. La grâce est venue chasser, détruire le péché. Grace came to destroy. La grâce n'est pas venue cohabiter avec le péché. Grace did not come to live together. La grâce n'est pas venue vivre avec le péché. Grace did not come to live with sin. La grâce est une personne, la personnification de Christ. Grace is a person, a personification. La grâce est Jésus. Grace is Jesus. Il n'est pas venu rester avec le péché. He did not come to stay with sin. Yes. Amen. That he preached la grâce. That he preached grace. Et comme je suis sous la grâce, and because I'm under grace, je peux autant, je peux aller autant dans les marches sans cesse. I can go to shortcuts as I want. Je danse. I dance. Et n'importe qui peut me toucher comme il veut. Il y a pas de souci. And no whosoever can touch me as he will. Parce que je suis sous la grâce de Dieu. Because I am under the grace of God. Et mon daddy preached très bien. And my daddy preaches very well. It is wrong. It is a lie. Beaucoup ont besoin de message de la grâce pour devenir tellement chiche, excessivement chiche. A lot has used the message of grace to be stingy, excessively stingy. So they became paresseux. They became lazy. Dorm, they can't just wake up to dorm. 24 hours they sleep. Je dors dans la grâce. I sleep on grace. Je me repose dans la grâce. I rest under grace. Je m'allonge dans la grâce. I lie on grace. Je m'accroupis sur la grâce. I bend on grace. Continue mon frère, courage. I encourage you, keep on. Romains 6, 14. Romains 6, 14. Beaucoup se trompent. A lot of people are... Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. For sin will not have dominion on the Lord. Puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. For you are not under the law, but under grace. Le péché n'aura plus le pouvoir sur toi, pourquoi? Sin will not have dominion under you, why? Donc lorsque quelqu'un a péché, when somebody has sin, parce qu'il est sous la grâce et non sous la loi, because he's under sin and not under grace, en réalité il se trompe lui-même. That means he's lying to himself. Il ne sait pas qu'il n'est pas sous la grâce, il est sous la loi. He doesn't know that he's not under grace, he's under law. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, pourquoi? For sin it will not have dominion under you. Par cette nature pécheresse, by that sinful nature, cette nature corrompt ta pensée. That nature corrupts your thought. Ce que tu ne veux pas faire, what you don't want to do, c'est ça que tu fais, is what you do. Et ce que tu veux faire, or what you do, tu ne fais pas, you don't do. En réalité, c'est elle qui te commande. In reality, it is the one. Et c'est elle qui dicte ta volonté. And it dictates your will. En quoi? En influençant tes cinq sens. By influencing your five senses. Voilà pourquoi Paul parle du renouvellement de l'intelligence. That is why Paul is talking about the renewal of the mind. Quand tu nais de nouveau, when you are born again, si ta conscience n'est pas renouvelée, if your consciousness is not renewed, quand Paul parle du renouvellement de l'intelligence, when Paul is talking about the renewal of, c'est quand tu laisses la parole de Dieu, that means you allow the word of God, influencer tes cinq sens. Influence your five senses. Influencer ton logique. To influence your logic. Hello? Quand le péché n'aura point de pouvoir sur vous, does it not have dominion over you? Mais est-ce que le péché a encore pouvoir sur vous? Does it have dominion? J'ai l'impression que le péché a encore pouvoir sur certains chrétiens à l'église. I have the impression that sin has dominion over some believers in church. Parce qu'ils ne sont pas sous la loi, la grâce. They are not under grace. Le péché a le pouvoir sur ceux qui ne sont pas sous la grâce. Sin has power under those that does not have grace. Ceux qui sont sous la loi, those are under the law. Le péché a pleinement le pouvoir sur eux. Sin has fully the power over them. Et ceux qui utilisent la grâce comme une excuse, I don't say you grace it as an excuse. Le péché a encore plus de pouvoir sur eux. Sin has more power over them. Mais ceux qui sont vraiment sous la grâce, but those are really under grace, le péché perd son pouvoir sur eux. Sin loses his power. Quand quelqu'un va dire amen, puisque vous êtes non sous la loi, vous êtes sous la grâce. Under law, but under grace. Sous la loi, under law, le péché règne. Sin rules. Sous la loi, under the law, le péché trouve sa pleine expression pour dominer sur vous. Sin finds its full expression to dominate over you. Mais sous la grâce, but under grace, le péché meurt. Sin dies. Le péché meurt. Sin dies. Donc la grâce, so grace, ne t'encourage pas à vivre dans tes bêtises. Doesn't encourage you to live under your
your rubbish. La grâce a le pouvoir de la même manière que le péché aussi a son pouvoir. Grace has its power as sin has power. Mais sauf que, just that, la grâce a plus de pouvoir que le péché. Grace has more power than sin. Et actuellement, là où je vous parle, le péché n'a même plus de pouvoir. I'm talking to you, sin doesn't have power. Le péché est sous nous. The power, sin is under us. Le péché est notre esclave. Sin is our slave. Yeah. Parce que nous sommes désormais esclaves de la grâce, de la justice de Dieu. Yes. Because we are henceforth slaves to the righteousness of God. Quand quelqu'un conduit le péché parce qu'il est sous la grâce. When somebody keeps sinning because he's under the grace, il se trompe lui-même. He's lying, he's cheating. Il se trompe lui-même. He's cheating himself. Il n'est pas sous la grâce, il est sous sa bêtise. He's not under grace, but he's under his rubbish. Il est sous sa bêtise. Under his rubbish. Parce que celui qui est sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Because the one under the grace, sin doesn't have dominion over you. Ne dis pas que je suis sur la grâce, mais le péché a encore pouvoir sur toi. Mais quand on se dit à propos de Christ, si on voit que je n'arrive pas, je ne sais pas comment je vais faire pour différer. Je ne sais pas comment je vais faire pour différer. Je ne sais pas comment je vais faire. Si tu es sur la grâce, tu ne vas pas considérer les questions. If you are under this, you will not be asking this kind of question. Mais j'ai compris avec ça, mais sauf que j'ai une vie que une vie immorale, je n'arrive pas à différer de cette vie-là. C'est une faiblesse que je ne parviens pas à contrôler, à dominer sur elle. C'est plus fort que moi. Daniel, on a su de message, mais j'ai dit. C'est plus fort que toi, c'est plus fort que la grâce. You have said it is above you, not that it is above grace. C'est plus fort que toi parce que ça fait. Tu luttes avec ta volonté, tu veux combiner, tu veux dominer la vie. You want to dominate sin by your own strength. C'est plus fort que moi. It is above you. C'est plus fort que toi. It is above you. Mais ce n'est pas plus fort que la grâce. It's not above the grace. Si tu aimes vraiment sur la grâce. So if you are really under grace. Non, ça va partir. You go. Tu vas dominer sur elle. You dominer ton it. Il n'y a pas de faiblesse qui sont plus fortes que vous. There is no weakness that is above. Qu'importe l'erreur, la bêtise dans lequel tu peux sortir de là. No matter, arrêter. No matter the sin of which you are. La grâce t'a déjà donné l'habilité pour arrêter les péchés. Has already given you the ability to stop sin. La grâce t'a déjà donné le pouvoir. Grace has already given you the power. Pour dire non à ce que tu fais de plus. To say no to what you are doing sin, ça va. Ne jette pas pour ça, cela ça vaut pas la peine. Do not fast. It is not useful to fast. Et j'ai dit qu'il faut arriver dans 5 jours et 40 jours. Il y a son peuple dans ce temps, regarde, tu entres. Mais quand tu vas jeûner, envoyez ou pas. Le jeûne, passe par sa puissance. By its power, va te retirer du péché. To make you come out of sin. Pendant le jeûne, during the fast, c'est ce que tu veux dire, tu vas pécher. And what is the purpose of the prophecy? Parce que tu veux prouver quelque chose. Because you want to prove something. Le prêche. Amen. La grâce, c'est la vie de Dieu. Grace is the life of God. Il se manifeste en vous. Manifeste. Le péché peut avoir influence sur quelqu'un. Parce que tu es sous la grâce. Because you're under grace. Le péché n'a plus d'influence sur toi. Sin doesn't have any influence on you. Parce que tu es sur la grâce. Because you are under grace. Le péché peut avoir l'influence sur toi. Sin doesn't have any influence over your life. Si le péché vient dire, mais quand je dis pas, Amen. Even if you say Amen, j'ai l'impression que je suis très amer ce matin. I'm the person that I'm very bitter to you. Le péché ne peut plus prévaloir ni même dominer sur ta vie. Sin cannot prevail or dominate over your life. Tu es sur la grâce. But you are under grace. Elle ne peut pas prévaloir sur toi. Il cannot prevail. Ni même dominer sur ta vie. Or dominate over you. Parce que tu es sous la grâce. Because you are under grace. C'est ce que ce dessin veut dire. Parce que je suis sous la grâce. Because I am. Le péché ne peut plus dominer ni prévaloir sur ma vie. Sin cannot dominate over me. Parce que je suis sous la grâce. Because I am under grace. Ce n'est pas que comme je suis sous la grâce. It is not that because I'm under grace. Je suis libre. I am free de pécher comme je veux. To sin as will. Si tu es soumis à la grâce. If you are submitted under grace. Tu peux être soumis au péché. You cannot be submitted under sin by sin. Impossible. Impossible. Parce que le péché tire sa force de la loi. Because sin takes his strength from the law. Le péché, c'est tire sa force de take his strength from the law.
Si tu es sous la loi, automatiquement tu vas pécher, ça c'est automatique. If you are under the law, you automatically sin. Amen. Amen. Le péché tu s'affronte seul de la loi. Sin takes its power from the law. Et plus le péché est attisé, and the more sin is excited, plus le péché est attisé parce que tu es sous la loi. The more sin is excited because you are under the law. Plus tu t'avances, the more you go deeper. Plus tu es sous la loi, plus tu vas pécher. The more you are under the law, the more you sin. Plus tu es sous la loi, plus le péché est excité. The more you are under the law, the more the sin will be. C'est comme le feu qu'on essaie de souffler pour qu'elle soit encore plus chaude. It is as if they are opening. La loi est comme ce ventilateur là qui attise le péché. Law is like the fire that activates sin. Plus le feu pêche encore bien. More sin again. Donc plus tu es sous la loi, plus tu pêches. The more you are under the law, the more you sin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu es sous la grâce, the way you are under grace, l'amour de Dieu, the love of God, l'amour qui vient de Dieu, the love that comes from God, par le moyen de la grâce, by the means of grace, paralyse la force du péché, paralyse the power of sin, paralyse le pouvoir du péché qui est en toi, paralyse the power of sin, et elle fortifie, and it fortifies. Donc par cet amour, so by that God, la grâce produit l'amour. Grace produces love. La grâce transmet l'amour. Grace transmits love. C'est-à-dire que le pouvoir de la grâce est l'amour. That means the power of grace is love. Mais quand tu es sous la grâce, tu reçois l'amour de Dieu. But when you are under the grace, you receive the love of God. Plus tu es sous l'amour, la grâce. The more you are under grace, plus tu aimes Dieu. The more you love God. Plus tu aimes ton prochain. The more you love God. Il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. There are some things that you are no more able to do. Tu ne peux pas tuer. Yeah. You cannot kill. Parce que tu aimes. Because you love. Tu ne peux pas mentir. You cannot lie. Parce que tu aimes. Because you love. Tu n'as pas peur. You are not afraid. Tu es sûr. You are sure. Tu marches dans la confiance. You walk in confidence. Parce que l'amour de Dieu habite en toi. Because the love of God dwells. Plus tu es sous la grâce de Dieu. The more you are under the grace of God. Parce que la grâce. Because grace. Est activée par l'amour. Is activated by love. Amen. Ce n'est pas, ce n'est plus la loi qui vous commande. It is not the law that commands you. Mais c'est l'amour de Dieu de Dieu pour vous. But it is the love of God for you. Amen. Le péché ne peut non plus avoir le pouvoir sur vous. Sin can therefore not have dominion over you. La force de péché, c'est la loi. Because the power of sin is the law. Mais c'est l'amour de Dieu qui pour vous. But it is the love of God for you. Mais c'est l'amour de Dieu pour nous qui nous commande désormais. That means it is the love of God for us that commands us. Si la loi ne peut plus nous commander, if the law cannot more command us, qu'est-ce qui nous commande désormais? What commands us now? L'amour de Dieu pour nous. The love of God for us. Pas notre amour pour Dieu. Not our love. Mais son amour pour nous. But his love for us. Un chrétien qui a vraiment compris l'amour de Dieu. In reality, a believer that has understood the love of God. Et heureusement, j'ai enseigné là-dessus pendant ma vie. J'ai enseigné dessus vendredi. And I taught on it on Friday. And donc quand tu as assisté à ces deux jours, la compréhension comprend. Somebody that has assisted during these 2 days of understood. Si nous sommes désormais commandés par l'amour de Dieu pour nous, if you are now commanded by the love of God for us, le péché, sin, ne peut non plus avoir le pouvoir sur nous. Law of power over us. L'amour ne tue pas son prochain. Love does not. L'amour ne calomnie pas son prochain. Love will not gossip your neighbor. L'amour est bon. Love is good. L'amour est patient. Love is patient. L'amour est généreux. Love is generous. Et en réalité, l'amour, c'est la révélation de la véritable nature du Père. Reality, love is a revelation. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Why? Because God is love. Je vous l'ai dit de la parole, que nous sommes de la progéniture de l'amour. And I told you on Friday that we are there. Parce que nous sommes nés d'une semence incorruptible. Because you are born from an uncorruptible. Nous sommes régénérés d'une semence incorruptible. We are regenerated from an uncorruptible. Nous sommes nés de Dieu. We are born of God. Nous sommes nés de l'amour. We are born from love. Nous sommes nés dans la nature d'amour. We are born in the nature of love. Et si nous sommes nés de l'amour, and if you are born of plus love, que le Père est amour, for the Father is love. Si nous sommes engendrés par l'amour, if we are born in love, ça veut dire que nous sommes amour. That means we are love. Nous sommes sous l'influence de la loi. We are on the influence of the nous sommes désormais influencés par notre véritable nature. We are not influenced by our true nature. L'amour, c'est qui nous sommes. Love is what we are. Tel que tu es.
as God is, il est amour, is love. Tel que je suis, as I am, je suis aussi amour. L'amour nous commande désormais. So Lord now commands us. Dieu ne nous donne pas la loi pour nous commander. God doesn't give us law to command us. Mais il s'est donné à nous. But he gave himself to us. Sous la nouvelle alliance. Under the new covenant. Le Père est entré dans le chrétien. The Father is now in the believer. Pour vivre sa vie. To live his life. Mais quand tu es sous la grâce. So when you are under grace. Tu es sous le commandement de l'amour de Dieu. You are under the commandment of the love of God. Tu es désormais influencé par la véritable nature du Père. You are now influenced by the true nature of God. Et là, si tu es influencé par la nature du Père. Now if you are influenced by the nature of the Father. Si désormais l'amour de Dieu règne en toi. It rests for the love of the Father. Ça veut dire que tu peux plus faire certaines nombre de choses. That means you cannot more do some certain things. Mais quand vous dites que tu aussi peux faire ce que tu as fait là. It's as if you say that God can also do. Est-ce que Dieu peut pécher? No. Can God sin? Est-ce que Dieu peut pécher? Can God sin? Est-ce que Dieu peut forniquer? Can God forniquer? Est-ce que Dieu peut commettre l'adultère? Can God commit adultery? Alors si nous disons que nous sommes de la progéniture de Dieu. So if you say that you are from the children. Pour nous faire sentir, disons que nous sommes des fils de Dieu. To make it simple, if you say that you are sons of God. Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Simple, if you say that you are children of God. Et que quand on le regarde, il faut pas vous voir que nous ressemblons à notre père. That means when we look at us, that means you see that we resemble our father. Tu ressembles à ton père? Do you resemble your father? Tu ressembles à ton père? Do you resemble your father? Jésus a dit à ses disciples, Jesus told his disciples, que c'est vous aimant les uns les autres qu'on saura que vous êtes des vrais disciples. It is by loving yourself that they will know that you are my children. La seule chose qui fera en sorte qu'on vous identifie comme étant mes enfants. It is the only thing that will show that you identify your maturity. C'est dans la dimension, dans votre dimension de vivre les uns les uns. It's in your dimension of loving each other. Sinon je vous reconnais pas. That means I will not recognize you. Voilà pourquoi beaucoup viendront au nom du Seigneur que j'ai guéri les malades, j'ai fait les miracles, j'ai sorti. That is why a lot of people will come and say, il dit que je ne vous ai jamais connu. Il dit que l'homme sort, sortez. I never knew you. Sortez. Go, go out. J'ai opéré les miracles. I operated miracles. J'ai ouvert les yeux des aveugles. I opened the eyes of the blind. J'ai marché sur l'eau. I walk on water. J'ai fait descendre le feu comme Élie. I make the fire to come down as Elijah. Il va dire que j'étais malade, tu ne m'as pas visité. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. I was in prison, you did not visit. Parce que vous visitez malade, il faut l'amour pour aller le visiter. Because to go and visit somebody that is sick, you need. Il faut être amour. You need to be loved. Pour aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. To love somebody that is not lovable. Yeah. À ceci, tout pour informer que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceci, vous connaissez que vous êtes mes disciples. Why are you pastors? Ce qui caractérise un ministère, c'est l'amour. What caractérise a ministry is love. Je suis dit que c'est par là qu'on va connaître que vous êtes des. Jesus says that it is like that they will know. Alors, c'est par là qu'on saura que vous me ressentez. It is how they will know that you. Le monde saura que vous venez de moi, vous provenez de moi. They will know that you proceed from. Tirez votre source de moi. That you proceed from me. Mais si vous aimez pas les uns les autres, if you don't love yourself, vous n'êtes pas mes disciples. If you don't love yourself, you are not my disciples. Parce que dans ma nature, je ne déteste personne, je ne vis pas dans la haine. In my nature, I don't hate anyone. On ne vit pas dans la rivalité, dans les comparaisons. We don't live in. Jésus ne s'est jamais comparé à son père. Jesus never compared himself to his father. Ne s'est jamais mesuré à son père. He never measured himself. Il n'a jamais dit que je suis plus fort que mon père. I'm stronger than my father. D'où vient ce caractère où chacun veut montrer? Quand Jésus faisait ses apôtres, quand il voulait se mesurer entre vous, voir qui est le plus grand des apôtres. Even when the disciples wanted to measure among themselves. Ils ont eu ce moment de dispute entre les disciples. They wanted to, they were fighting against. Où j'ai dit que c'est moi le grand frère. L'autre dit que c'est moi. Say no, I'm the greater. Non, the other say no, I'm the one. Dieu dit que c'est moi. Peter said no, I'm the one. Dieu dit non, c'est moi. He said no, I'm the one. Le plus puissant. I'm the more powerful. Jésus a pris un enfant à la place au plus. Jesus took a child and put. Il dit que celui qui est le plus petit. The smallest. Et celui qui reflète cette nature. The one that reflects this nature. Celui-là qui est plus grand. Is the one that. Et celui-là qui est plus grand, c'est celui qui sait les autres. The one that is greater is the one that. Celui qui est plus grand, c'est celui qui aime les autres. The one that is greater is the one that loves. Et il dit le plus grand. How is the greatest? Dans le royaume des cieux, in the kingdom of God, celui-là qui reflète le caractère du Père, is the one that reflects the character. Qui est commandé par l'amour du Père pour lui, that is commanded by the love of the Father for him. Quand tu sais que tu es aimé inconditionnellement, when you know that God loves you unconditionally, automatiquement tu vas retransmettre cet amour pour les autres. Automatically you will retransmit that kind of love to the others. La même manière, the same way, que le Père n'a pas regardé tes faiblesses pour t'aimer. That the Father did not look at your weakness. Tu ne regarderas pas aux faiblesses des autres pour les aimer. You will not look at the weakness of other people. Même leur faiblesse par les aimer. In their weakness, you love. Assez demander ça à quelqu'un ici. Okay.
On parle de l'amour de Dieu, mais on ne vit pas l'amour de Dieu. Le chrétien qui est commandé par l'amour de Dieu pour lui, il ne peut pas vivre dans le péché. The believer that is commanded by the love of God for him cannot live in sin. Parce que c'est par amour. Because it is by love. Que Jésus-Christ s'est donné à la croix pour te sauver. That Jesus Christ gave himself on the cross to save. Il s'est donné par amour. He gave himself by love. Il s'est offert en sacrifice. He offered himself pour te sauver de ce mal péché. To save you from that wickedness. Et si vraiment tu as reçu cet amour, and if you really receive that love, il t'a transmis par ton son sacrifice. That he has transmitted by his sacrifice. Tu ne peux plus retourner dans le péché. You cannot go back on sin. Parce que l'amour, because love, l'amour du Père pour nous, the love of the Father for us, la révélation du sacrifice de Christ, is the revelation of the sacrifice of Christ. Et quand tu regardes ce sacrifice, and when you look at that sacrifice, tu as du dégoût pour péché. You have the disgust. Parce que regarder le sacrifice de Christ et retourner dans le péché, c'est une insulte envers son Fils. Because to look at the sacrifice of God and go back and live, c'est comme vous dites que c'est quand tu as fait la servi à rien. It is like you are saying that what you have done is et ça ne m'intéresse pas. And I'm not interested. Je préfère rester de ténèbres dans les erreurs. I rather stay in my mistakes. C'est manifester l'hypocrisie. It is to manifest hypocrisy. Tu connais quelqu'un est venu. You know that somebody came. Il est mort pour toi par amour. He died for you. Il s'est donné pour ton rachat. He gave himself for you. Tu connais son œuvre. Tu connais son œuvre. You know his work. Mais tu préfères rester dans le péché. But you rather stay in sin. Parce que non, nous sommes sous la grâce. Because so we are under the grace. Et bien qu'est-ce que c'est? C'est la définition de l'amour. Maintenant nous le savons. Now we know. Ça c'est 1 Jean 3:16. Maintenant nous le savons. Jésus a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi nous donnons notre vie pour nos frères et pour nos sœurs. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que nous donnons nos vies pour les autres? Parce que il a donné notre vie pour nous. Quand tu as reçu cette vie de Dieu, so when you have received that life of God, automatiquement tu vas le redonner, tu vas le transmettre aux autres. Automatically you transmit it to the others. Parce que tu ne peux que donner ce que tu as reçu. Because you can only give what you have received. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. You cannot give what you don't have. Si réellement tu as reçu la grâce, if you have really received, et peut-être si réellement tu as reçu l'amour de Dieu, if you have really received the love of God for you, c'est ça que tu vas le transmettre aux autres. It is what you will transmit to the others. Et l'amour c'est fruit. And love has its fruit. Aimer, qu'est-ce que c'est? Aimer, c'est quoi? What is love? Maintenant, nous le savons. Now we know. Jésus a donné sa vie pour nous. Jesus gave his life for us. Donc, nous aussi, we too, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. We have to give our life for our brothers and sisters. On se supporte, on s'entraide. We help each other. On couvre les autres. We cover each other. On fait du bien, on manifeste la générosité envers les autres. We manifest generosity to each other. Tu peux pas dire que tu aimes quelqu'un, tu cherches à le détruire. You cannot say that you love somebody and you try to destroy. Tu n'as jamais aimé cette personne. You never love that person. Si tu aimes ton frère, tu vas pas chercher à l'empoisonner. If you love your neighbor, you not try to poison him. Si tu aimes tes parents, tu vas pas chercher à voler leur argent. If you love your parents, you not try to steal their money. Non. Tu regardes l'histoire de la femme. If you see the life of the woman that wanted to sow, that's in the John 8. I believe it is in the book of John. Hallelujah. La femme, John chapitre 8. La femme qu'on a tapé en plein flagrant délit d'adultère. The woman we caught of adultery. Quand on amène cette femme à Jésus Christ, when they bring that woman to Jesus Christ, nous voyons le caractère, le comportement de Jésus Christ. We see the character and the behavior of Jesus Christ. Jésus va au monde des Oliviers. Le matin suivant, de bonne heure, il retourne dans le temple. Et puis le monde vient au père de lui. Jésus s'assied, se met à enseigner. Allez, laisse-toi. Les maîtres de la loi et les pharisiens amènent une femme et ils la placent devant tout le monde. On vient de la surprendre en train de commettre un adultère. Vous savez que selon la loi, quand on t'entraîne en plein acte d'adultère, c'est la mort. C'est la mort par l'application. C'est ce que la loi demande. Mais on a surpris cette femme juste au moment où elle est compétente en adultère. Verset 5. Dans la loi, Moïse nous a commandé. Ouais, c'était commandé par la loi, n'est-ce pas? Moïse nous a commandé de tuer cette femme en la jetant des pierres. Et toi, qu'est-ce que tu dis? C'était un test, une épreuve. Ils disent cela pour lui tendre un piège. En effet, ils veulent avoir une raison pour l'accuser. Mais Jésus se baisse
Et il se met à faire des traits sur le sol avec son doigt. Verset 7. Les maîtres de la loi et les pharisiens continuent à l'interroger. Alors Jésus se redresse et leur dit, parmi vous, celui qui n'a jamais commis de péché, il lui jette la première pierre. Ensuite, Jésus se baisse de nouveau et il se remet à faire des traits sur le sol. Quand les gens entendent ces paroles, ils s'en vont l'un après l'autre. Les plus vieux, d'abord. Jésus reste seul avec la femme et elle est toujours là devant lui. Jésus se redresse et lui dit, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Personne ne t'a condamné. Il t'a condamné, vas-y. La femme lui répond, personne, Seigneur. Jésus lui dit, je te dis le mot. Jésus lui dit, moi non, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller. Et maintenant, ne commets plus de péché. Alléluia. Amen. La grâce, qui est Jésus-Christ, who is Jesus Christ, a transmis à cette femme, a transmis à tout d'abord l'amour, l'homme. La préservation, a preservation, la sécurité, security, la protection, protection, la grâce, grace, vient vous délivrer, come to set free, pour préserver, to preserve, la grâce a protégé cette femme contre la loi, grace protected this woman against the law, mais la grâce n'a pas condamné cette femme, but grace did not condemn her. Le premier message que Jésus annonce à cette femme, the first message that Jesus announced, c'est le message de la non condamnation, it's a message of non condemnation. Il dit que il te condamne. He said they condemn you. Les pharisiens, la loi te condamne. The law condemns you. Mais j'ai retenu cette loi contre eux-mêmes. But I pretend. Mais pourquoi ils n'ont rien fait contre toi? That is why they could not do anything. Mais moi non plus, je ne te condamne pas. I don't condemn. Mais ça ne s'arrête pas là. But it doesn't stop. Sous la grâce, tu es délivré de la condamnation. Under the grace, you are set free from condemnation. La grâce te délivre du jugement. Grace set you free from judgment. Elle te délivre des conséquences même de tes péchés. It even sets you free from the consequences of your sin. Mais elle ne t'encourage pas à continuer à vivre dans le péché. But it doesn't encourage you to keep. Oh my God, l'église n'est pas avec moi. But the church is not with me. Jésus-Christ n'a pas libéré cette femme. Jesus Christ not set free this woman. Pour qu'elle continue de vivre dans l'adultère. She will keep living in adultery. Jésus n'est pas tenté de dire qu'il est d'accord avec cette vie d'adultère. Jesus said that he's okay with the life of adultery which is. Si Jésus te sort d'un état de vie d'une situation. Now if Jesus is setting you free from a life. C'est pas pour que tu restes dans la même situation. It's not so that you can stay in the same lifestyle. Le but pour lequel il te délivre de ton péché. The reason why he sets you free from. C'est pour que tu ne pèches plus jamais. It's so that you should never sin again. Pour que tu ne pèches plus. So that you should not sin. Il dit, tu peux t'en aller. You can go. La grâce te rend libre. I set you free de la loi, from the law. Elle te libère. He set you free from the law. Elle te délivre de toute forme d'accusation. He set you free from all kind of accusation. Tu es délivré de la culpabilité. You are set free from guilt. Tu es pardonné. You are forgiven. Ça c'est la grâce. That is grace. Mais la grâce. La grâce. Mais la grâce. Grâce. Te donne l'autorisation aussi. Also give you authority. Pour ne plus jamais pécher. Never to sin again. Elle te transmet le pouvoir. It transmits to you the power. Elle te transmet la puissance. The ability. Continuer dans le péché. To stop sinning. Et aller. Et tu peux t'en aller. You can go. Et maintenant. And now. Ne commets plus le péché. Do not commit sin. Commets plus le péché. Jésus n'a jamais dit que quand je suis venu, maintenant, chacun lit le péché. Ah, le Père prêche la grâce. Le Father preaches grace. Quand j'ai beaucoup péché la semaine, il faut que j'aille me consoler son message. Yeah, because I'm seeing the Lord, I have to control myself. Faut que j'aille soulager ma conscience avec ses enseignements. I have to ease my consciousness with those messages. Une fois que ma conscience est soulagée, now once my consciousness is, je reçois de nouvelles forces. Okay, I receive some new strength. Pour continuer dans mes bêtises. So keep in my rubbish. Quand tu es pleinement conscient, c'est que tu es conscient de tes bêtises. And what you are conscious is that you are conscious of your rubbish. Et tu vis dans la bêtise. And you live on the rubbish. Donc arrête de salir mon nom, ma réputation, ma vie. So please, God, stop. Arrête de changer le contexte de mes enseignements. Stop changing the context of my teaching. Et en disant aux gens que le prophète Didès, c'est lui on veut pécher. I'm telling people that in France, you can see. Ici là, non, c'est pas ça. Yeah, it is not that. Oh, pardon. Oh, pardon. Before Dieu. Gloire à Dieu.
thanks to God. Est-ce que tu pardonnes pourquoi tu fais cette dernière minute? Thank God, don't forgive me so that you can stay in the same mistake. Le sang de la grâce est puissant. That's why grace is powerful. Elle ne te pardonne pas juste. It doesn't forgive you. Elle détruit le péché. It destroys sin. Pourquoi tu ne sois plus dans le péché? So that you should not be in sin. Quand tu viens en Christ, when you come in Christ, les péchés sont pardonnés. All your sins are forgiven. C'est clair. It is clear. Mais ne utilise pas ça comme une excuse. Do not use it as an excuse. Pour rester dans l'état péché. To stay in the sinful state. Au nom de la grâce. In the name of grace. Cette femme a été libérée. This woman was set free. Libérée donc pour quel but? Set free why? Libérée pour quel but? Why was she free? Pour ne plus pécher. Not to sin again. Pour vivre une vie juste. And to live a righteous life. La grâce te donne l'habilité et la capacité. Grace gives you the ability. De produire les fruits de la sainteté. To produce fruit of holiness. Yeah. Parce que la loi ne peut pas rendre saint. Because the law could not make you righteous. La loi peut pas rendre quelqu'un juste. The law will not make you right. Il n'y a que la grâce qui peut te rendre juste. Only the il n'y a que la grâce qui peut te rendre saint. Only grace can make cette grâce you a ce pouvoir. Grace has power de t'amener à mener une vie sainte. To give you the ability to give you the holiness. Écoutez, si le péché, listen, if avait le pouvoir, had the ability, d'amener un homme à vivre dans le péché, to bring a man to live, la grâce aussi a ce pouvoir. Grace also has that power. Et voire même plus, à give it more. De t'amener à vivre sans péché. La grâce aussi a le pouvoir. Grace also has the power. Et un grand pouvoir. And a greater ability. De t'amener à vivre sans péché. To make you live without sin. Le péché, sin, n'est pas plus puissant que la grâce. It's not more powerful than grace. Le péché, sin, n'est pas plus de pouvoir. Doesn't have more power. Que la grâce de Dieu. Than the grace of God. La grâce, the grace, a l'habilité. Has the ability. A la capacité. Has the ability. De t'amener à vivre. To bring you to live. Sans péché. Without sin. Elle peut te retirer de tes faiblesses. It can pull you out of your weakness. J'en dis que tu es sous la grâce. So why you say you're under the grace? Et voilà l'argent de tes parents à la maison. And see the money of your parents. Tu vis sur une bêtise. You live under rubbish. Amen. Et... Jésus ne juge pas. Jesus doesn't judge. Arrêtez quand Christ est venu. In fact, when Jesus Christ came, il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. C'est ça. Not for those that are in good health. Il est venu pour les pécheurs. He came for the sinners. Mais il ne nous a pas libérés provisoirement de nos péchés. But he didn't preset us free from sin. Son acte nous a complètement arraché du péché. His action set us completely free from sin. Pas pour que nous retournions encore là-bas. Not so that we can go back again. C'est insulter le sacrifice de Jésus. It is to insult the sacrifice of Christ. Parce que tu dis que tu as accepté ce que Jésus a fait pour toi. Because if you say that you have accepted what Jesus has done for you. Automatiquement tu es mouvu par la bonté. Automatically you are moved by the love of God. Parce que le chrétien qui visualise. Because the believer that visualize la mort, the death, l'assouvissement et la résurrection de Jésus. The burial and the resurrection of Jesus Christ. Il a reçu l'amour. As received love. Il sait que c'est par amour que Christ a fait sa pour lui. He knows that it's by love that Christ has done. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Why is he dead? Pour me sauver du péché. To set me free. Alors s'il m'a sauvé du péché, so if he set me free, pourquoi je ne reste plus dans le péché? It is so that no more sin take me. Je ne dois pas utiliser son œuvre. I don't even have to use his work. Son sacrifice. His sacrifice. Comme un moyen. As a means. Comme une excuse. As an excuse. Pour rester dans mes péchés. To stay in my sin. C'est-à-dire que tu es pas hypocrite. That means you are extremely hypocrite. Tu es très incrédible. And you are very unbelievable. Madame, tu verset mon fils balance. La femme lui répond, dans Romains 3, 24, mais dans sa bonté, Dieu les rend juste gratuitement par Jésus-Christ qui les libère. Qui les libère du péché. Les libère du péché. Mais dans sa bonté, Dieu les rend juste. Alléluia. Amen. Dieu les a rendus juste gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. Nous sommes libérés du péché, ça c'est vrai. Il y a très bon signe. Libérer du péché. We are free from sin. Mais c'est un don gratuit. And it is a free gift. Mais vous faites quoi donc? What to do for them? Pour pécher. To sin. Je dis qu'en tant que chrétien, ça parle de comme fait de l'air. Mais quand tu te prêtes, il y a dans ça. As a believer, it's a trick. I'm not going to pass that you can make mistakes. But when you are already pleased in that. Il va t'en nourriture de tous les jours. It becomes your food of every day, your everyday food. Romains 6, 1 à 3. Je vais continuer avec ce passage. Romains chapitre 6, verset 1.
Vous êtes ici? Que dirons-nous donc? Demeurons-nous, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Amen. Déjà, c'est la question que beaucoup se sont déjà posées dans cette église. Et c'est la question que beaucoup, ceux qui écoutent le message de la grâce, ils se posent toujours cette question. Ils finissent toujours par poser cette question. Et c'est la question que même les païens, les religieuses, les religieux se posent quand ils écoutent le message de la grâce. Ils posent toujours cette question. Est-ce que parce que le sens de la grâce va donc payer? Est-ce que la grâce nous donne l'autorisation de continuer de vivre dans notre vie? Puisque l'apôtre Paul était un enseignant de la grâce, and because Apostle Paul was a teacher of grace, il était exposé à ce genre de questions. Was exposed. Et ça, c'est une question qu'on a posée. And these are the questions that they asked. Que dirons-nous donc? Ils vont nous donner la grâce. Afin que la grâce abonde. Et Paul leur répond en répétant la question. And then Paul is asking, them to by repeating their questions. Il pose la même question. He asks the same question. La grâce est une licence ou une excuse pour pécher? Is grace an excuse or a license to live in sin? Non, ce n'est pas une excuse. No, it's not an excuse. Personne n'a le droit d'utiliser la grâce pour se justifier de ses péchés. Nobody has the right to use grace to justify his sin. Personne n'a le droit d'utiliser la grâce pour se justifier ici. Nobody has to use grace to justify ici. Si. Pêche. Si. Tu cherches les versets bibliques. And you look for Bible verses. Tu appuies que c'est bien. C'est that, normal. That says that it is normal. Pour te consoler. To console yourself. Non, c'est pas comme ça. No, it is not like that. Le verset 2. That's two. Et nous parlons de là. Alléluia. Le même verset 1, s'il te plaît. Le même verset 1. Tout le monde entier lit. Tout le monde a sa Bible église. Amen. Ça, c'est la question qu'on pose aux prédicateurs de la grâce. These are the questions that we ask. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Ça, c'était une question. La réponse, c'est quoi? C'est non. C'est parce que nous sommes sous la grâce que nous devons pécher pour que la grâce soit encore plus puissante. Non. La grâce n'abonde pas dans le péché. Yeah. Non. La grâce surabonde sur le péché. Yeah. C'est ça le mot. La grâce n'abonde pas. Écoutez, la grâce ne fait pas quoi? Yes. N'abonde pas dans le péché. Mais elle sera, en d'autres mots, elle domine, elle règne sur le péché. Yes. Elle n'abonde pas dans le péché. C'est-à-dire qu'elle n'excite pas le péché. C'est la loi qui excite le péché. It is the law that excites him. C'est la loi qui abonde le péché. It is the law, c'est la loi qui fait abonder le péché. It is the law that makes it. La grâce ne fait pas abonder le péché. Grace does not make sin to la grâce ne te fait pas pécher davantage. Grace does not make you sin. Non. Ça, c'est le rôle de la loi. That it is the role of the law. Et la grâce surabonde. But the law, the grace. Quelque chose qui surabonde, c'est qu'elle déborde, elle est au-dessus, elle domine sur elle. That means it is above. Elle la neutralise, elle met fin au péché. Neutralise sin and make an end, put an end to sin. Et ceux qui écoutent le message de Paul se sont posés les questions. Plus que nous sommes dans la grâce, on dit qu'on va pécher plus encore. Because you are under the grace, we don't have to sin. Pour rendre la grâce encore plus efficace, il a dit c'est pas ça. To make the grace. C'est ça qu'au verset 2 dit ceci. Verset 2, il dit certainement pas. Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Ça, c'est une réalité. Alléluia. Amen. C'est un fait. C'est notre statut. Nous sommes déjà morts au péché. Our status, we are already dead in sin. En d'autres mots, le péché est mort. In other words, sin. En d'autres mots, le péché ne règne plus sur nous. In other words, sin cannot rule us. Alléluia. Notre rapport avec le péché est désormais rompu. Nous sommes plus avec lui. We don't want that sin. Maintenant, il faut dire, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? How can we then live again? Et ça, c'est une question qui pose à ceux qui l'ont posé les questions. And he asked that question to the one that. Et ça, c'est un message de rappel, de réveil. And this is a pour réveiller les consciences que n'oubliez pas votre statut, n'oubliez pas votre identité. Awakening the message, don't forget yourself. N'oubliez pas ce que Jésus a fait pour vous. Don't forget what Jesus has done for you. N'oubliez pas le but et le rôle de la grâce. Do not forget that. La grâce n'a pas pour objectif de vous amener davantage dans le péché. Grace does not have objective to bring you more in sin. La grâce vous a définitivement retiré du péché. Grace has definitely took you out of sin. Pas pour que vous retourniez encore dedans. Not so that you can go back inside. Il est comment? How? Le segment, nous sommes morts au péché. Ça we fait deux are fois. Et comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? In sin. Comment? How? Vous voyez que Paul lui-même s'interroge. You see that even Paul. Paul lui-même, il est surpris. Paul even is surprised. Nous pouvons percevoir sa pensée.
We can perceive his thought. Il est surpris. That he's surprised. Il est même dépassé. He is even. Quand lui pose ce genre de questions. Now we ask him this kind of question. Verset 3. Vas-y, dis mon fils. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés, ne savez-vous pas? Moi, je me suis toujours rappelé, ne savez-vous pas que nous tous, se rappelle, que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort, mais toujours rappel de son œuvre accomplie. Amen. C'est parce qu'un chrétien qui est conscient de ce que Jésus a fait pour lui. Because a believer that is conscious of what Jesus has done for him. Il ne peut pas pécher. Yeah. Et le chrétien qui est conscient de ce que Jésus-Christ a fait. And a believer that is conscious of le what Jesus has done. Le chrétien qui s'identifie. The believer that identifies. À l'œuvre complète de Christ. To the finished work of Christ. Il ne peut plus continuer dans le péché. Cannot be stopped. Cannot more live. Ça c'est un rappel. Ne savez-vous pas que this is a reminder. Nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ. Nous avons été baptisés en sa mort, nous avons été associés à sa mort. Donne-moi la version du Seigneur. Et nous voyons que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est quoi la mort de Jésus-Christ? Dis-moi pourquoi. Dis-moi, Église, Jésus est mort pourquoi. Pourquoi vous ne répondez pas avec certains, avec vie? Jésus est mort pourquoi, Église? Donc, tu es donc mort pour les péchés. Ils sont aussi morts au péché. Amen. Ça veut dire que le pouvoir du péché est désormais neutralisé. Hello! Il est mort, nous sommes morts. He's dead, we are dead. Et notre péché est mort dans sa mort. And our sin is dead in his death. Et vous ne devez jamais oublier ça. And you should never forget that. Et ça rappelle. Et c'est un reminder. Nous avons tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ et en sa mort, nous avons été baptisés. Verset 4. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité dans les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de en nouveauté de donc ce qui résulte de la mort et de la résurrection de Christ, c'est que nous avons besoin de death and the resurrection of Christ, the newness of life. Newness of life. Jésus n'est pas mort et resté pour que tu continues ton ancienne vie. Jesus is not that and resurrected so that he can keep living your life. Jésus n'est pas mort et resté pour que tu continues ton ancienne vie. Talking to the future. Ce message va voyager dans le temps. This is a message that will travel in time. Les gens seront ce que je prêchais. And people will know what I was preaching. Si dans l'avenir mes enfants changent de message, ils vont devenir comme des galaxies et qui restent là. Et puis les filles vont prêcher un autre message que je n'ai pas prêché. Et mes enfants iront lire, écouter ces messages, ils vont dire que ce n'est pas ce que le Père a prêché, c'est pas ce que le Père. Ne fais pas ce marbouche, ne parle pas ce marbouche. I'm not only talking to you here. Je vois le monde devant moi. I will see the world in front of you. Le message suivra plusieurs générations. Nous avons donc été enseignés avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, de même nous marchons en nouveauté de Dieu. S'il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Il n'est pas ressuscité pour le dire encore, pour être encore péché, pour porter encore nos péchés. Dans la résurrection de Christ, c'est la victoire sur le péché. La résurrection de Christ, c'est la victoire sur la mort. La résurrection de Christ, c'est la victoire sur le diable. C'est toutes ses conséquences. Et si nous sommes ressuscités ensemble avec lui, so if they are resurrected together with les choses anciennes sont passées. All things have gone. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Everything has become new. Parce qu'il est ressuscité. Because nous sommes ressuscités avec lui. And we are resurrected with. Qu'est-ce que vous devez faire, Église? What shall you do? Vous devez toujours vous identifier à sa mort et à sa résurrection. You always have to identify yourself to your love. Je suis mort au péché. Quand Christ est mort, and he was dead to sin when et ressuscité avec lui quand il est sorti dans le and resurrected when he came out of the dead. Identifiez-vous à sa mort, au fait qu'il est enseveli et à sa résurrection. Identify yourself to his death, to his burial. Chaque fois que le diable tente, every time the devil is tempted, tu lui dis que tu es mort au péché, ça 2000 ans. Tell him that you are dead to sin. Tu lui dis que je ne suis plus ton esclave. I'm no more your slave. Avant j'étais ton esclave. Then I was your slave. Avant j'étais I was under your rule. Mais grâce à la mort et à la résurrection de Christ, thanks to the death and the je ne suis plus sur ton règne. I'm not more under je suis désormais sur le règne de Jésus Christ. Je suis désormais sur le règne de la grâce. I am under the rule of la grâce me donne l'habilité.
au péché. Je ne suis plus un pécheur. Pas grâce à mes efforts. Mais grâce à l'œuvre de Jésus Christ. Sa résurrection. Sa résurrection. Sa résurrection. Est ma résurrection. Je suis inclus. Dans cette résurrection. Et ce qui résulte. À what result? De cette résurrection. C'est quand j'ai hérité. D'une nouveauté de vie. Addicted to pornography, addicted to porn, addicted to all, addicted to all, addicted to all,
de telle sorte que les gens vont te voir. Ils vont te connaître selon la chair. Ils ne te connaîtront plus selon la chair. Ils te connaîtront selon Christ, selon le modèle de Christ. Dans le modèle de Christ. Le christianisme n'est pas religion. On n'est pas les mêmes par on vit. On vit la vie de Dieu. We live the life of Christ. Mon message, my message, c'est la grâce parce qu'il y a que la grâce qui peut préserver un homme. Because it's only grace that can preserve a man. Quand tu chutes, when you fall, si tu n'es pas sous la grâce, if you are not under la loi va te maintenir là-bas. The law will maintain you there. Si la ligne que tu chutes, but if you fall, quand tu es sous la grâce, when you're under la grâce va te sortir de là. The grace will take. Si tu t'identifies à la grâce, if you identify yourself, oh my God, oh my God, tu vas sortir. You get out. Il ne s'agit pas de toi. It's not about il ne s'agit pas de ce que toi tu peux faire. It's not about what you can il s'agit de ce que lui, il peut faire au travers de toi. Lui me fait pour toi. Le jeune de 40 jours ne retire pas quelqu'un du péché. Mais ton identification identification à la mort et à sa résurrection. Prise le pouvoir du péché sur ta vie. Le seul remède, the only medicine, le seul remède, only medicine, que Dieu a donné à l'humanité, that God has given to the pour la délivrance, to mankind, pour la salut, for the deliverance, c'est Jésus Christ, Christ. It's Jesus Christ, c'est Jésus Christ, it's Jesus Christ. Ne soyons pas hypocrites, we should not be hypocrites. N'utilisons pas Christ, we should not use Christ, pour pécher, to sin. Il n'est pas un objet, he is not an object. Ne l'utilisons pas. Do not use Christ. C'est une insulte envers sa personne. It's an insult towards his person. Ne venons pas l'utiliser. You should not use him. Pour nous encourager, nous voulons rester dans le péché. To encourage ourselves to live in sin. Jésus n'a jamais encouragé le péché. Jesus is not come to vous donnez quelques passages pour que vous voyez par vous-même. I give you some scriptures so that quand la grâce arrive quelque part, when grace comes somewhere, elle manifeste la bonté. It manifests bonté. Et les cœurs sont convertis. Appears. Si tu la contemples dans toute sa valeur, if you contemplate, si tu contemples la grâce dans toute sa profondeur, if you contemplate, si tu crois en elle, if you believe in it, elle te change. You change. Elle change ta mentalité. It changes your mentality. Elle change ta mentalité. Ta façon de voir les choses change. Ta façon de considérer les choses change. The way you consider things changes. Parce que la grâce transmet la vie. Because grace transmits life. Et non la mort. And not death. Non, la mort. And not dead. La grâce ne vient pas vous dire que reste là où tu étais avant. Continue à te perdre, c'est ce que tu excelles à l'intérieur. Continue. Au nom du message que le papa lui laisse la prêche. The name of the message that papa lui laisse. Je peux mener ma vie comme le sang. I can live my life. Bon, Nico, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Don't say everything. Tu es libre pas pour pécher. You are free not to sin. Tu es libre pour ne plus pécher. You are free to sin no more. Tu es libre. You are free to sin. Pour manifester le sang de justice. You are free to manifest righteousness. La grâce yes. A sauvé la pauvre Paul qui l'avait appelé Saul de Tarse. Elle m'a tué. Elle m'a tué la porte qui a tué les disciples. Elle m'a été commissionné pour aller détruire les apôtres. Il was commissioned to go and destroy the apostles. Mais Jésus n'a pas tué. And Jesus only la grâce n'a pas détruit. The grace did not destroy. La grâce l'a sauvé. Yes. Pas pour qu'il reste comme il était. Not so that he can quand Paul a rencontré la grâce, Paul met the grace. La grâce a fait de lui un prédicateur de la grâce. La grâce, la porte de Paul dit que lui refuse de se marier. Pourquoi? Parce qu'il a pas grand se marier, il peut faire des erreurs. Ça peut le déconcentrer, ça peut le réduire, ça peut le déranger. Il veut faire l'œuvre du Père. Il dit cours, il court avec excellence.
ministère. Il m'a dit que quand on est chrétien, c'est pour vivre encore au péché. Vous tenez là où il y a un livre qui souligne ici. Non. Non. Paul a été sauvé par la grâce. Paul was saved by grace. La grâce l'a transformé. Grace transformed him. La grâce l'a rempli de puissance. Grace make me. La grâce l'a rempli d'intelligence. Paul filled him with knowledge. Vous pouvez ressentir mon intelligence en lisant. I say you can feel my knowledge when you read me. Vous pouvez ressentir, vous pouvez lire ma pensée. Okay, at least see my thought. Il ne s'agit pas de toi, mon ami. It's not about you. C'est de Jésus qui change les gens. Lord Jesus Christ can change life. Et tu dis que tu es en Christ. If you say you're in Christ. Ça veut dire que tu es sous la grâce. I mean you are under grace. Paul. Paul. Elle est devenue un pionnier de ce message. Has become a pioneer of this message. Mais regarde là où je l'ai péché. But see where God took it. Quand la grâce te trouve. When Christ meets you. Elle a le pouvoir de changer un métier. He has the power to change a mother. La grâce. Grace. Le pouvoir de convertir un meurtrier. Ça, c'est le pouvoir là. Ça, le pouvoir de convertir un féman. Comme ça, un escroc, un bandit. Jésus s'est invité. Écoutez, la grâce a invité chez les pécheurs. La grâce n'attend pas que les pécheurs les invitent. Mais la grâce a invité chez les pécheurs. La grâce est l'ami des pécheurs. Pas pour collaborer avec eux. Pas pour collaborer avec eux. Mais pour réduire le péché sur eux. Non. Jésus pouvait marcher avec les collecteurs des pauvres. Mais quand ils entrent dans leur périmètre, ils les changent. Mais quand ils entrent dans leur périmètre, ils les changent. Mais ta part de grâce, là, c'est pour vivre encore avec les pécheurs. Mais your own grace is to live with the sinners. Tu as des gens qui ne peuvent vivre dans le péché. There are people around you that live. Toi, tu viens dire que nous vivons ensemble dans le péché. Then let us live together. Tu dis que non, c'est bien qu'on tue ensemble. You say no, it is fine. Quand tu viens attiser encore le fait que c'est bien. You just come to make them. Même si tu dis pas, mais je prêche bien. La grâce? Yes. C'est pas ce que vous pensez. It's not what you think. La grâce peut changer un sorcier. Grace can change a wizard. Un pasteur. To the pastor. La grâce peut convertir un pharmacien. Un prophète. A prophet. Oh, yeah. La grâce peut convertir un plus grand sorcier comme wizard et un pasteur. Let me change the wizard of your. Si la grâce a changé Paul, il peut changer les portes de vie. Si la grâce a changé Paul, il peut changer anybody. Ça peut changer les portes de vie. Ça peut changer anybody. De ta part, ta grâce t'a jamais changé. It's just that the grace never changed. Non, la grâce t'a jamais changé. No, the grace did not change. Les gens, c'est que la grâce n'a jamais changé. So, the grace never changed them. Ils ont aussi la grâce chaque jour. They are under grace every day. Non, ils utilisent la grâce comme moyen pour vivre dans leur péché. They use grace as a means to live in their sin. Là, tu prêches la grâce. Là, tu prêches. Ferme ta bouche. Close your mouth. Que Christ a rencontré en tant que pécheur comme ça. All those men that Jesus. Marie de Magdala, Elisabeth, Mary of Magdala, toutes ces prostituées. All those prostitutes. La grâce. Écoutez, ça c'est le ministère de la grâce. This is the ministry of. Ça veut dire qu'ici on ne chasse pas les gens. That means that we don't send people. C'est la maison des pécheurs. This is the house of sinners. Tu es pécheur, tu viens. Yes. Parce que la grâce va te transformer pour être un juste. Et n'encourageons donc pas les gens à pécher. C'est ça en fait mon message. Ne jugeons personne. Tu viens comme tu es. Come the way you are. Et la grâce te change. À qui elle est. Tu viens tel que tu es. You come the way you are. La grâce te change. Elle te transforme à qui elle est. You transform it to be who it is. Yeah. Nous sommes définitivement pardonnés en Christ, alors on péché dans le péché. Nous sommes définitivement pardonnés en Christ. Tu n'es pas pardonné pour vivre dans le péché. Tu n'es pas pardonné pour vivre dans le péché. Mais tout le monde est guéri.